C'est l'heure d'effectuer notre balade quotidienne dans quelques régions du Cameroun. Mesdames, bon après-midi. Messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver sur Canal 2 International. La balade, c'est dans un instant. Premier arrêt, c'est dans la région du littoral, précisément dans le département de la Sanaga maritime. Vous le savez, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2018-2019 au Cameroun. Le visage qu'affichent les établissements scolaires à Edéa est peu reluisant. Certains établissements sont abandonnés dans la broussaille et on espère que d'ici là, tout sera résolu. Luc Bigat, Christian Bock. La correction de ce devoir de littérature rappelle le dernier exercice fait dans ces salles de classe. Le souvenir est bien lointain. Pour l'heure, c'est le calme total. Dehors, le spectacle est moins reluisant. Dans cette école primaire, c'est la broussaille qui vous tend la main en guise de bienvenue. Néanmoins, les inscriptions se poursuivent dans la sérénité. En fait, nous sommes déjà prêts avec la répartition. Tout le personnel est là parce que ici chez nous, nous commençons un mois avant. On a commencé les inscriptions depuis le 6 août. Les parents passent tout juste prendre les renseignements. On se dit que d'ici le début de l'année, nous aurons un bon effectif. Chez leurs aînés du secondaire, c'est presque le même décor. Au lycée technique par exemple, il faut attendre quelques jours pour parler d'inscription. L'administration vient à peine de boucler l'année scolaire avec les derniers examens. A contrario, les cours de soir sont fin prêts pour la rentrée scolaire. À entendre les propos de ce chef d'établissement. Bien qu'en congé, nous préparons bien la rentrée scolaire. Les hauts responsables de la structure des cours de soir sont en pleine préparation de la rentrée scolaire 2018-2019. Et comme c'est un cours du soir, les gens ont l'habitude de considérer que les cours du soir, l'école commence en octobre ou en novembre. Spécialement, le nôtre commence le 3 septembre. Au collège catholique Saint-Pédis à côté, l'on s'active entre la construction d'une clôture pour sécuriser les élèves et l'application de couches de peinture. La première préoccupation pour moi a été de réhabiliter les installations. Voilà, essayer de refaire la peinture. J'ai discuté avec les parents et on est tombé d'accord que ça faisait partie des urgences. Pour que les enfants arrivent dans un cadre propre. 10 ou 15% sont jusqu'ici le taux d'inscription des élèves enregistrés dans ces quelques établissements scolaires de la ville. Chiffre qui n'inquiète cependant pas le corps enseignant, qui lui est déjà à pied d'œuvre avec les cours de mise à niveau. Et la rentrée scolaire 2018-2019 se prépare dès maintenant. Dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément dans le département des Bamboutos, c'est un présumé voleur qui est aux arrêts depuis quelques jours. Ce dernier, en voulant échapper à la police ou à la gendarmerie, a été atteint par balle. Néanmoins, il demande pardon au public. Monique Naoussi Fosso, Marius Ngassa. Talon Pabrice Xavier, immobilisé et transporté en compagnie de son butin. Nous sommes au quartier Lafi, à Mbouda. Au cours d'une patrouille menée par la brigade terre de Mbouda, il va tenter de se débarrasser de cette moto, volée, afin de sauver sa peau. Il est stoppé dans sa course par une balle qui l'immobilise. Après son sommeil, au service des urgences, ce père de 3 enfants et âgé de 34 ans avouera sa forfaiture, soutenant que la moto a été effectivement volée devant une société de vente de matériaux de construction. Je suis en tort. J'ai débordé les limites. Vous comprenez, non? Oui. Je suis conscient. J'ai fait ce que la loi camerounaise ne veut pas. Je demande à la haute hiérarchie de m'accorder encore une seconde chance pour voir. Mettez même les yeux sur moi. Installez vos GPS pour voir si demain ou après-demain, ça pourrait être la même chose. Après l'extraction du plomb qu'il a reçu lors de sa fuite, il passera devant les autorités compétentes pour répondre de ses actes. En attendant cela, les chefs de bloc du quartier Lafi appellent les populations à redoubler de vigilance, dénonçant tout suspect. Dans les chaumières, Les uns et les autres saluent la pugnacité du commandant de la brigade de terre de Mbouda. Nous remercions en passant le commandant qui est en train de mieux nous gérer, et de faire en sorte que le grand banditisme se taise un peu dans la ville de Mbouda. Oui, c'est tout ce que nous pouvons dire. Ici au quartier, et puis déjà, nous respirons un peu. Depuis qu'il est là, nous passons des nuits entières, entièrement. On dort très bien. Mbouda fait partie des foyers où prolifère le grand banditisme. C'est également la porte d'entrée du Nord-Ouest. Et puisqu'on parle du Nord-Ouest, évoquons également la crise anglophone dans les deux parties du pays, en proie depuis plus d'un an déjà à cette forte crise sécuritaire entre appel au dialogue et prière. Tout est mis sur pied pour que la paix revienne dans les deux régions du Cameroun. À Limbé, le week-end dernier, les hommes de Dieu se sont rassemblés pour prier pour la paix. C'est en présence des autorités locales, mais aussi quelques membres du gouvernement. Inès Ondouanbala. Un service interreligieux pour invoquer le Seigneur a veillé sur le Cameroun tout entier. La place des fêtes de Limbé s'est transformée en un lieu de culte. 25 pasteurs et hommes de Dieu appellent les Camerounais à s'unir dans la paix. J'espère que le message que plus de 40, cinquantaine de pasteurs et imams et pères ont caché ici vont toucher tout le monde. Les croyants, venus d'horizons divers, se sont retrouvés à Limbé pour prier pour le retour à la paix dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, car seul Dieu est capable de restaurer la paix. Et la Bible dit que si deux ou trois personnes s'entendent sur un point et ils prient, Dieu va les écouter. Plusieurs messages véhiculés par les hommes de Dieu pour la circonstance tourne autour de la paix, de l'amour, du pardon, du vivre ensemble, de la justice et de la réconciliation. Je pense que ces initiatives doivent se poursuivre. Nous avons des prières pour la paix revienne dans tout notre pays, plus particulièrement dans les régions du Sud-Ouest. Le ministre des Enseignements secondaires salue cette initiative. Nalova Lyonga demande ensuite aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école à la rentrée scolaire. Elle enjoint la communauté éducative à se mobiliser pour le démarrage effectif de la prochaine rentrée académique. Et la résolution de cette crise anglophone fait partie de l'un des défis majeurs des 9 candidats à la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Le délégué régional des domaines du cadastre et des affaires foncières du Sud est connu depuis quelques jours déjà. Il s'agit de Raymond Essiane Meka. Il a été officiellement installé par le représentant du gouverneur de la région du Sud. Il est déjà conscient des nombreux défis. Notre correspondant sur place dans le Sud de Cameroun, Ambroise Fougui. Secteur des domaines du cadastre et des affaires foncières du Sud, les enjeux sont énormes. Le secrétaire général des services du gouverneur énumère les grandes lignes de la feuille de route du nouveau délégué régional. Je vous demande d'apporter particulièrement votre concours à la réalisation des objectifs suivants. Il s'agit de la préparation des projets de budget, des programmes d'action ainsi que la mise en œuvre des opérations et politiques du gouvernement dans votre domaine de compétences. Les besoins sont pressants. La libération et la sécurisation effective des emprises dans le cadre de la réalisation des projets, le suivi des procédures du plan d'urgence triennal, la constitution des réserves foncières, le corridor pour la ligne d'évacuation de l'énergie électrique de Mvelé et de Mekin, puis la densification des bornes du réseau géodésique national. Nous devons redynamiser non seulement les collaborateurs, mais également donner un nouveau cycle de vie aux usagers, parce que l'obtention des titres fonciers a toujours été considérée comme un cycle de mer. Mais nous sommes là pour permettre à tout individu, tout citoyen de la Réunion du Sud d'avoir à la fin de sa vie au moins un titre. La fileterie foncière prend du galon, mais il faudra désormais compter avec Jean-Baptiste Raymond Meka pour l'éradiquer. Le nouveau délégué connaît bien la région pour y avoir séjourné longtemps dans 2 départements. Bonne chance donc à Raymond Essiane Meka dans le sud de Cameroun. Retour dans la région de l'ouest à l'université de Chong précisément, qui abrite depuis 3 jours un forum sur la science de la vie. De quoi est-il question? En quoi cette science de la vie peut impacter la vie d'un individu? Élément de réponse avec Eric Matani. Un forum international scientifique sur les sciences de la vie pour sa 6e édition s'est tenu à l'amphithéâtre de l'université de Chong en fin de semaine dernière. C'est sur le thème « Les sciences de la vie, les nouvelles technologies et le multiculturalisme ». Forum for Biological Sciences, c'est une société savante qui a été créée pour rassembler les scientifiques des sciences de la vie en général et des sciences qui sont en relation avec les sciences de la vie aussi, afin de stimuler, n'est-ce pas, la recherche, stimuler l'ensemble de ces chercheurs pour qu'ils se mettent ensemble pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes en mettant les idées ensemble, n'est-ce pas, c'est ça. Les colloques sont d'intérêt particulier pour la sous-région et toute l'Afrique dans la mesure des problèmes qui se posent de part et d'autre en matière de ressources naturelles sont pratiquement les mêmes. Les échanges d'expériences en matière de recherche, d'innovation et de développement des technologies pour assurer une gestion naturelle de nos ressources et en matière de formation des ressources humaines sont nécessaires au développement de l'Afrique. Je pense que c'est une grande bête scientifique à laquelle nous avons eu la chance de participer. Nous sommes venus du Bénin et au cours de ce colloque, nous avons beaucoup échangé sur les sujets relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et comment on pourrait agir pour assurer la pérennité de ces ressources-là afin que les générations actuelles puissent en jouir et donner la chance à nos enfants aussi d'en bénéficier. Ce forum a été très riche, parce qu'il y a eu la promotion, comme toujours, du multiculturalisme. Ça nous a donc permis d'échanger avec plein d'autres universités, des professeurs et des enseignants. Les participants venus de plusieurs pays africains sont rentrés très satisfaits des différents ateliers, mais surtout des expositions très édifiantes. Et le sport est au menu de notre balade de cette fin d'après-midi. On parle de billard à l'instant. La 2e journée du championnat s'est jouée dans les régions du centre et du littoral. À l'issue de celle-ci, on note pratiquement un statu quo tant au début à la tête qu'au bas du tableau. Alex Lembé pour plus de détails. La 2e journée du championnat national de billard s'est disputée le week-end dernier à Douala et Yaoundé. Du côté de Douala, Linkpool a dominé Colombia 16 points à 9. C'est leur 2e victoire de suite. Les billardistes du Linkpool sont donc en tête du championnat avec 6 points au marquoir. Le meilleur ratio est revenu à Ronnie Kembe de Linkpool avec ses 72% de réussite. C'est à lui également que revient le meilleur coup de la partie. Toujours dans le cadre de cette 2e journée du championnat national de billard, qui s'est joué dimanche à Douala, Libakam s'est remis de sa défaite du week-end dernier et a corrigé Black Ball Legend par 19 à 6. Le meilleur ratio dans cette rencontre a été attribué à Mohamed de Libakam avec 80% de réussite. Du côté de la capitale politique camerounaise Yaoundé, Village Biya Club a pris sa revanche le dimanche dernier face à Dream Team Réseau en les battant 16 à 9. La meilleure performance a été attribuée à Eric Tungon de Village Biya avec ses 75% de réussite. Réseau Biya a tout d'abord gagné samedi Village Biya Club 20 à 5. La meilleure performance est revenue à Bin Youssouf et son ratio a été de 75%. Le titre de numéro 1 national des billards se dispute à l'issue de cette 2e journée entre Youssouf Bin avec 82% et Mohamed Delipakam qui totalise seulement 80%. La 3e journée est attendue pour le week-end prochain et se jouera toujours entre Douala et Yaoundé. Et c'est la fin de notre balade pour ce qui est de cette deuxième sortie de la semaine. Ils seront là à 19h50 pour d'autres informations. Michael Tipkio à Douala et Alain Kanga à Yaoundé. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain avec toute l'équipe, tout le réseau des correspondants dans les 10 régions du Cameroun. Bon après-midi.